Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir l'avancée des travaux du Land Frozen à Hong Kong. Parce que je vous rappelle qu'en France, il est également en construction et que le Land en France va ressembler énormément au Land de Hong Kong. Donc on va aller voir tout de suite le Land de Hong Kong qui a très 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 bien avancé. On a plein d'images qui sont tombées ces derniers jours ainsi qu'une vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description, bien évidemment, du groupe que je suis. Donc là, justement, vous êtes en train de découvrir cette fameuse vidéo avec des concept art. Et vous voyez donc le land qu'ils vont avoir à Hong Kong. Et waouh, tout simplement, là, ça me fait entièrement rêver. J'ai qu'une envie, c'est que le land à Paris, il ouvre et d'être là. En fait, ça va être si beau, c'est si apaisant, c'est si reposant, c'est si waouh. Tout simplement, enfin, j'ai pas les mots, je trouve ça si beau. Sincèrement, j'espère vraiment qu'on va avoir la même chose en France. Regardez le château d'Arendelle comme il est beau, mais mon dieu, je veux tellement être dans le château d'Arendelle. Donc je vous rappelle qu'en France, l'ouverture est normalement prévue pour fin 2024-2025. On n'a pas encore de date précise pour l'instant, bien évidemment, je vous tiendrai au courant. La seule différence qu'à Hong Kong, ils vont avoir, que nous, on ne va pas avoir, c'est qu'ils vont avoir un nouveau coaster. Et oui, ils ont énormément de chance là-dessus, parce que j'aurais adoré l'avoir en France, parce que je pense qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment super bien. Et nous, on va juste avoir l'attraction qu'il y a déjà en Floride et en Californie. Je vous en avais parlé déjà dans ma précédente vidéo que je vous mettrai dans la description, et elle apparaît maintenant en fiche. On se rend maintenant sur Twitter parce que c'est là où il y a plein d'infos, donc c'est le fameux groupe que je suis, c'est eux, et c'est eux qui publient vraiment plein de choses par rapport à Hong Kong. Et donc là nous avons les bateaux qu'il va avoir dans l'attraction Frozen Ever After, attraction que nous également nous allons avoir à Paris. Et donc ils auront ces bateaux, donc voilà la maquette du véhicule, donc je trouve ça très très beau, j'espère vraiment qu'on va avoir la même chose. Et ça c'est la maquette qui dans le nouveau coaster que eux ils vont avoir, que je viens de vous dire que nous on n'aura pas malheureusement. Mais regardez comme c'est beau, c'est si... Oh, c'est si beau, je suis dégoûtée, c'est si loin Hong Kong pour aller voir ça. On a également avec une photo des tenues des cast members, donc est-ce qu'ils vont avoir la même chose en France? Je pense que oui. Je pense qu'en France, ça va être très très proche de ces tenues également, et je les trouve vraiment vraiment très très belles, les couleurs sont très très bien, c'est super joli. Et voilà les dernières photos qui avancent, vous voyez donc le château d'Arendelle a bien avancé, hein. Là on le voit bien maintenant, c'est très très beau, regardez-moi ces détails là, je trouve ça vraiment vraiment magnifique. Comme j'ai hâte d'avoir des photos comme ça en France, mais j'ai si hâte. Nous en France, je vais vous montrer où on n'en est pas encore là, hein. Mais regardez le moindre détail, je trouve ça si magnifique. Et voilà où nous en sommes en France. Allez voir Daily Perry Port, c'est un très 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 bon groupe également, que j'aime beaucoup. Et voilà, nous l'avancée des travaux en France, donc on est loin de Hong Kong comme je vous disais il y a quelques petites secondes. Mais ça avance, ne perdez pas patience, je vous jure que ça avance et que le land va arriver. Et on termine sur cette vidéo qui a été publiée, qui sera Elsa dans la version de Frozen Ever After, donc l'attraction que nous allons avoir. J'espère voilà que cette vidéo vous aura plu, de voir les petites avancées. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi hâte que moi que le land arrive en France. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.